Salut à tous, c'est AWOL, de retour avec Dead Space 2, le remake. Et on continue. On va installer le disque dur. Disque dur réinstallé. Redémarrage du système effectué. On va appeler les trams là et on y go quoi. Maintenance effectuée. Appel du tram en cours. C'est bon. Mes gars, ils sont là. Arrêt imminent, pont de lancement, salle des commandes. On peut même pas sauvegarder, c'est chaud là. Oh boy. Là, il y a une dinguerie là, non? On y est. Quelque chose est chez toi, mais tout semble opérationnel. Le système de confinement est désactivé, tu peux aller au hangar. Les communications sont toujours pas rétablies, tiens-toi prêt à tout. Quel est le plan? Vous et Johnston, vous réparez le Kellion. Nous, on se rend sur le pont. Protocole d'urgence standard. Quoi? Quel protocole? Amont, des gens sont en train de mourir. Je perdrai pas une personne de plus. Si on s'en tient à la procédure, on y arrivera. On verra. Oh boy. Maintenant, est-ce qu'on peut sauvegarder, non? Ah, j'aime pas cette musique. Un jump scare, maybe? On sait jamais. Hein. J'aime pas ça, les amis. Je n'aime pas ça. Oh boy! Non, là c'est pas bon. Mais on était là? Non, je sais plus. Oh shit! Non, ça c'est... Moi j'écrase tout, on sait jamais. En tout cas les amis, j'espère que vous adorez le jeu. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Okay. Non, ça me fait penser vraiment à The Callisto Protocol, quoi. C'est exactement pareil. Sauf que, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe et que ça va apparaître plus tard. Mais dans The Callisto Protocol, on pouvait esquiver. Là, on ne peut pas. Oh shit, il y a un mec là-bas. C'est ça qui m'énerve dans ce jeu-là, c'est-à-dire que... Eux, ils peuvent nous attaquer dans tous les sens, derrière, devant, et nous, on peut pas éviter, tu vois. Ça, c'est un peu le truc que je trouve pas sympa. Il est là ou pas? Oh, il s'est enfui? What the fuck? Oh, non. Boy, oh boy. Non, boy, oh boy. Ça m'a cassé tout ça parce que là, ça va partir. Oh boy, oh boy. Oh shit! Comment ça fait ça la partie qui se referme? En plus, la musique stressante. Prends tout ça. Il est revenu? Ah non. Ah, il est là. Je vois plus là. Oh shit! Il est pas mort! Oh shit!
J'ai cru qu'elle était morte, mais elle était pas morte. Ouais, je disais que c'est assez semblable à Calisto Protocol. Oh non. C'était rapide. On voit rien là. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Il y a un gars derrière ou il est pas mort? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Il était pas dead? Mais non. What's going on here? Attendez. Là, c'est le tout début, là. Ouais, ok. On revient. Ok. J'entends des bruits, là. Zack, on est sur la passerelle. Ils sont tous morts. Daniel essaie d'accéder à l'ordinateur de commande. Oh, boy. Tu sauvegardes au calme. Non, mais ça ressemble vraiment à The Callisto Protocol. Mais j'ai envie de dire au moins bien, parce que ça, c'est un remake, tu vois. Donc ça veut dire que le jeu du départ, il doit pas être ouf. Je sais pas, à voir. Moi j'ai vraiment adoré The Callisto Protocol, c'était vraiment incroyable. Ok, on retourne au vaisseau. J'arrive doucement. J'essaie de courir là. C'est quoi ça? Du sang? Hayley, tu dois m'écouter. Les Shimura est envahis par des putains de monstres. T'as rien entendu? Quoi? Non, les communications sont toujours coupées. Isaac? Il faut réparer le Kalion maintenant. T'as le rapport des dégâts? Oui, le voilà. C'est quoi ça? Merde! Le réacteur! Allez! What? Ok, vas-y, tue-le, toi, parce que. Oh merde. Oh shit! Oh boy! Oh boy! Oh shit! Allez, est parti! Oh shit! What? Non, y'a un gars là? Ah non! Tu qui rampe, moi chelou là? Ah, je suis mort. Oh, je suis dead. Oh, il m'a eu. Oh, fuck, shit. Get off me. Oh, what the fuck? What? Attaque-le. Ok. Non, ça arrache. Lâche tout. J'ai plus de vie, j'ai rien là. C'est mort. J'ai plus de vie là. Ah mais non. Isaac, qu'est-ce qui se passe en bas? On a perdu Johnston. Et Kellyanne aussi. Le réacteur a surchauffé. Le Kellyanne était notre seule chance de repartir, on est piégés. Non. Je refuse de perdre deux personnes pour rien.
Et l'ordinateur de commandement? Il est inexploitable. Tous les systèmes centraux sont verrouillés par les codes du capitaine. Alors trouvons le capitaine Matthews. Recherchez son rig. Ok. Ah, c'est un endroit safe ici. Je l'ai. Capitaine Benjamin Matthews. Localisation, pôle médical. Statut, décédé. Le capitaine aussi? Oh, merde! Isaac, vous êtes plus près du pôle médical. Faites demi-tour et coupez par la maintenance. Trouvez le corps du capitaine et récupérez son rig. Avec ses codes, on pourra... Qu'est-ce que c'était? Oh shit! Chaîne? Putain, maman, viens! Ah, ils ont transformé mon gars. Ah ouais. Mon gars, ils l'ont eu sale. Bon, c'est reparti les amis. Hein. Dites-moi lequel vous préférez entre The Callisto Protocol et Dead Space 2, que ce soit l'original ou le remake. Personnellement, j'ai essayé de regarder l'original. Vu la qualité du truc, j'ai trop la flemme de le jouer. Je préfère jouer au remake, qui me semble un peu plus d'actualité côté graphique, côté graphisme. Mais pour l'instant, je suis plutôt fan de Callisto Protocol. Parce qu'on peut esquiver. Vous savez que le gant, on peut expulser des créatures, on peut les attraper. Avec celui-ci, on ne peut pas faire ça encore. Je ne sais pas si d'ailleurs on pourra le faire dans le jeu. Mais son gant, pour l'instant, il ne fait pas ça encore. C'est casser la jambe avec ça, le mec. Ah, les gars. Oh, c'est mort. J'ai qu'une vie. Enfin, j'ai qu'une vie. J'ai presque pas de vie. Je vais pas me risquer à aller... dire bonjour à ce mec là-dedans. On se verra plus tard, mon ami. Mm-hmm. Ah, il y a des trucs ici à casser. Ok, des balles. C'est pas mal, mais je voudrais une petite vie, non? Y'a rien. Encore une balle.
toujours, les amis, hein. Sauvegardez. Sauvegardez toujours. On sait jamais ce qui peut arriver dans ce jeu. Là, je sens pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Oh boy. Oh boy, oh boy. Non mais ça est vraiment Callisto Protocol. En moins bien, je trouve. Télékinésie. Ouais, c'est vraiment comme dans Callisto Protocol. Bon, plutôt Callisto Protocol a copié ce jeu. C'est le mec Schofield qui a bossé là-dessus. C'est lui aussi qui a dirigé Callisto Protocol. Donc c'est tout à fait compréhensible. Ça, c'est Glenn Schofield. Ah, j'ai flippé. Oh shit, c'était quoi ça? Ils sont tous revenus à la vie. Ça va faire du mal, ce truc, je pense. Ça va être une dinguerie. Oh, ils m'ont donné déjà des balles. Ah les gars, on commence à comprendre le jeu, non? Petite sauvegarde chaud. Mais ouais, en tout cas les gars, merci de
regarder le jeu avec moi, de le jouer en même temps que moi, mais en regardant. Et et merci de supporter la chaîne, les amis. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ça aide pour l'algorithme. Et ouais, on essaie d'offrir de la qualité, quoi. Et c'est pas facile. Et on a besoin de soutien, besoin d'aide. Et la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de soutenir la chaîne, c'est de la partager, de commenter, de liker. Ouais, c'est déjà pas mal. Et je suis dans les commentaires. Je réponds aux questions, je suis là, les gars. Isaac, oh shit. Vous avez des nouvelles de Daniels? J'ai peur. Elle a été attaquée et elle est partie dans l'autre direction. Non, rien. Le pôle médical est un carnage. Ils ont barré l'accès à la morgue. La morgue? Oui. Mais la barricade a été faite à la va-vite. Un réservoir d'hydrazine pourra l'exploser. Il faudrait un détonateur. Peut-être un défibrillateur. Nicole est peut-être de l'autre côté. Isaac, celui qui nous a attaqués. Je suis certain que c'était Chen. Mais... je l'ai vu mourir. Si la morgue a été barricadée, c'était peut-être pour garder quelque chose. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça, je disais, les gars, merci pour le soutien. Merci de regarder, de partager, de commenter, de vous abonner. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup et... et on en a besoin, afin de continuer à fournir de la qualité. Et ouais, j'ai déjà décidé pour la suite. Je pense que il y a Alan Wake qui va sortir. Là, ça sent pas bon. Là. What the fuck? Imagine, il se transformait donc. Je l'ai vu tout de suite. Pas de temps perdre. Donc ouais, j'ai entendu dire que... même pas j'ai entendu dire, je crois que c'est vraiment... ce n'est plus une rumeur, c'est... juste d'actualité. Il y a Alan Wake, le 2 qui va sortir. Et c'est un jeu qui m'a toujours intéressé, mais que j'ai jamais eu le cas de jouer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai acheté Alan Wake 1, remasterisé, meilleure qualité que le premier. Et je pense le jouer après celui-ci. Je finis Dead Space, ensuite je joue à Alan Wake le premier. Et quand le 2 il sort, Alan Wake 2 il sort le mois d'octobre. C'est octobre qui sort, je crois. Fin octobre par là, je pense. Là, je pourrais le jouer et voilà, on aura une suite assez cohérente. Au mois de... je pense que Dead Space 2, celui-ci, je le finis
je sais pas trop, je pense. Oh. Oh, il a explosé? What the fuck? Faut peut-être pas le faire exploser, sinon je perds tous mes trucs. Je pense que Dead Space, ça me prendra pas beaucoup de temps. Mi-septembre, je l'ai fini, je pense. J'essaye de poster soit un jeu. What the fuck? J'essaie de poster. What's going on here? J'essaie de poster un jeu. Un épisode. Tous les jours peut-être, je sais pas, à voir. Mais si je poste. What the fuck is that? Derrière moi. Ce truc, merci pour la vie au passage. Donc ouais, je pense que si je poste un épisode par jour, je pense que je terminerai d'ici mi-septembre Dead Space. Et what the fuck is that? Ah, il court hyper vite ce gars-là. Non, ça marche même pas courir. C'est le Larry derrière moi. Ok. Donc ouais, je pense que mi-septembre par là, j'aurai fini de poster tous les épisodes de Dead Space et ensuite j'entame Alan Wake de mi-septembre à mi-octobre. Je pense que là, je l'aurai fini et ensuite je commencerai Alan Wake 2. La suite. Ça me semble pas mal comme. Comme timing. Oh shit! Putain, il est partout ce truc maintenant. Ça me rend ouf. Une petite vie. Donc ouais, il y a une belle saison qui m'attend au niveau production de jeux. Et ouais, continuez à soutenir les amis, hein. Continuez à soutenir, ça donne la force. J'ai vu le top de la sauvegarde. Est-ce que je... Attends. Ouais, je suis... On va voir ça. Je suis bien là. Là, j'ai pas confiance en bas. Entrée
dans une zone de vide. Wow. Entrez en zéro gravité. Wow. Faut que j'aille un peu vite, je pense. Non, sinon je vais crever. Ah, je pense qu'il faut commencer à courir là, non? Ah non, ça va. What the fuck? Wow. Let's go. J'ai cru voir un monstre là-dedans, je pense. On dirait qu'il y a un mec avec moi là. Bon, je sais pas. Chose là. Je tiens toujours la position. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé Nicole? Aucun signe d'elle pour le moment. Mais j'ai trouvé de l'hydrazine. Ça devrait marcher sur la barricade. Je dois trouver un défibrillateur. Ok. Oh boy, oh boy. Pas mal de balles, hein. Entrée en zéro gravité. Ah, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un gars là-bas. Ah, c'était ça. Je l'ai eu, non? Oh, le salaud. Tchè. Go. Let's go. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Je suis un peu bloqué là, non? C'est où le chien? Above. Above, let's go. Qu'est-ce qu'il fait? Oh shit, y'a un gars en bas.
le mec il a fait un flip. Oh, il bouge encore. Il bouge encore. Waouh. Moitié du corps et continue à me suivre et à bouger, quoi, c'est dingue. Mon Dieu, j'ai mis un pied en dehors du poste du capitaine Etienne. Enfin, ce truc a failli m'avoir. Ça va? J'ai piégé dans une capsule de sauvetage endommagée. Sans vous en croyez, c'est de la folie. Maniez-vous, Isaac. J'essaie de faire mon possible, mon ami. C'est chaud aussi pour moi. T'as pas de balles, t'as rien, c'est pas facile, hein. On dirait une bestiole qui crie, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, j'ai plus rien. Et je pense pas que ce soit une bestiole. Là, il y a des bestioles. Je suis dans la merde. Je peux quand même barrer, les gars. Je peux pas faire autrement. J'ai pas de balles. Vas-y, on s'arrache vite. C'est vraiment horrible. Là, une petite sauvegarde s'impose par contre. Habilitation de sécurité de niveau 2. Oh, là, ça fait plaisir, là. Petite vie et des balles. Habilitation de sécurité de niveau 2 requise. Toujours ça de prix. J'ai... Ouais, les amis, dites-moi les amis les jeux que vous voulez voir que je joue sur la chaîne là. Comme j'ai dit, après Dead Space 2, le remake, je passerai à Alan Wake. Avant que Alan Wake 2 ne sorte fin octobre. Donc je pense que sur Dead Space, là, on va aller jusqu'à mi-septembre si je publie un épisode par jour. Et ensuite, j'enchaîne avec Alan Wake. Mi-septembre jusqu'à mi-octobre et ensuite fin octobre Alan Wake 2. Ouh, là c'est sans le piège là. Là ça sent le piège. Oh Jesus, ça marre ici. Oh shit, y'en a deux derrière moi. Y'en a deux derrière moi. Il est... ce qu'il fait. Et demi-octobre, enfin fin octobre,
J'ai joué à Alan Wake, le 2, et on est bien. Et après, je pense que les deux... Attendez, attendez. Ensuite, je pense, les amis, je vais... J'ai un jeu qui s'appelle Murdered, Remurdered. Et je pense que... Je vais le jouer, pareil... courant novembre, sans doute. Et je pense que... ensuite... je vais quand même attaquer les Resident Evil, les derniers. Biohazard et... et le, l'autre, là. Le 8 ou je sais plus lequel. Et après, je pense que je serai plutôt bon au niveau des jeux que j'ai envie de jouer. C'est les jeux que j'ai envie de jouer, donc je pense que j'aurai. Je les aurai joués, donc ça va, je serai plutôt pas mal. Ensuite. Il y a des jeux de plateforme que j'ai envie de faire, c'est Limbo. Parce qu'évidemment, j'ai fini Little Nightmares 1, Little Nightmares 2. Et j'ai envie de tester Limbo. Et je suis fait aussi Inside, qui va mal. Le truc, c'est que je vois rien. C'est quoi ce bruit? Il reste qui là? Non, c'est celui qui rampe, je pense. Ouais, et ouais, juste avant Dead Space 2, le remake, les amis, j'ai fini par Plague Tale Requiem, par Asobo Studio de Bordeaux, un jeu français made in France, qui prend, qui reprend un peu, c'est une sorte d'Assassin's Creed à la française et à l'époque médiévale. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est plutôt pas mal fait, c'est très bien. Moi j'adore. Et pareil, le gameplay horrible. Mais bon, ça t'as pas le choix, c'est comme ça. Moi je me casse parce que je sais qu'il va y avoir une meute des gens qui vont arriver. Voilà, tu vois, je t'avais dit quoi. Et ouais, c'est le gameplay, il est toujours horrible, mais il y a quelqu'un qui arrive là, non? Oh non, j'ai raté. Tiens ça. Oula. J'ai eu tout le monde. J'ai pris mon temps, mais j'ai bien fait, les amis. Voilà, tu vois, la quarantaine est levée, je suis tranquille au chaud et je pourrais toujours. Enfin, je peux maintenant tout ramasser tranquillement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai joué tranquille. Je me suis pas pressé du tout. J'ai été stratégique. J'avais aussi vu qu'il y avait, parce que je connaissais pas ce jeu, à Plague Tale Requiem. Et j'ai vu plus tard qu'il y avait la première partie, plus ou moins, qui s'appelle A Plague Tale Innocence. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas mal aussi, mais la qualité n'est pas ouf. Mais ça peut être pas mal à jouer, à mettre sur la chaîne comme
Journal d'intervention comme une collection complète des jeux. Copie sur mon terminal sécurisé. J'ai convaincu Jürgens de me montrer le flux vidéo de la colonie. C'est remarquable de voir enfin ce que j'ai cherché toute ma vie. Les mineurs, cette transformation, ils défient la mort elle-même. Kain fait preuve de prudence. Sa foi a été ébranlée par ces nécromorphes, comme ils les appellent. C'est étrange. Alors que ma propre foi a été si richement récompensée. Avec ou sans Kain, je dois étudier l'une de ces créatures. Ou ce qui s'en rapproche le plus. Le patient de Brennan, par exemple. Oh boy. Mikal ? C'est docteur... C'est moi. Voilà, on a pas mal de choses à ramasser ici. Avec les médicaments et le traitement par zéro gravité, l'état du patient Harris s'améliore. Si ça continue, l'espoir est permis pour les autres sur Aegis 7. Mais le docteur Mercer continue d'interférer. Selon lui, les délires d'Harris sont significatifs sur un plan religieux. Si je dois déposer un recours, je le ferai. Je ne perdrai pas un patient pour des histoires d'unitologie. Plus jamais. Recherche de signal de RIG. Oh boy. Docteur Nicole Brennan. Localisation de RIG non concluante. Recherche manuelle de RIG disponible. Dieu, que se passe-t-il ici? Précisément ça. L'œuvre de Dieu. Comment peux-tu dire ça? C'est mort à la colonie. La paranoïa, les hallucinations. Tu voulais une analyse scientifique, des causes et effets? Eh bien, tout a commencé après que le monolithe a été dressé. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Le monolithe est divin? Nous le savons bien. Écoute, il sera à bord demain. Tu pourras l'étudier à ce moment-là. Rassure-toi. Me rassurer? Des gens meurent. Ça ne peut pas être la transformation que les écrits promettent. Nous sommes témoins d'une nouvelle aube, Terence. Pour l'unitologie, pour l'humanité. Bien sûr, notre foi est mise à l'épreuve. Tout va changer. C'est bien ce qui m'inquiète. Tu m'étonnes. Fin de l'enregistrement. Vous avez tous cette dead, ouais. Tout le monde va être dead, c'est ça le... Ce qui va arriver après, les amis. Encore un truc à faire là. Ah, ça sent pas bon ici. Ici, et après je pense qu'on va s'arrêter là. 0 points, ah j'ai rien. Ah la défaite. Bon. Je pense que les amis, on va s'arrêter là, hein, parce que c'est... Il n'y a plus rien de... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Tu vois, moi il y a un truc à ramasser. MD sauvegarde et on va s'arrêter là les amis, hein. On va se retrouver au prochain épisode. Ouais, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. C'était Dead Space 2 Remake.
Et moi, c'est AWOL, les amis. Tchuss.